boîte de l'Italia. Donc, activité ça, pour faire ça, c'est qu'au Sénat qui met des souliers, plus précisément, commission culturelle là. Oui, et donc, pour qui va connaître là, Sénat, c'est cercle des étudiants nationalistes pour l'avancement d'Haïti. Donc, il y a des souliers conférences ça, que nous voyons là avec deux intervenants à eux, qui sont un sujet qui te paraît vraiment important, qui c'est Vodou. Côté terme, c'est, il y a des régions sous Vodou, haïtien, patrimoine culturel. Donc, comme intervenant, il y a deux professeurs, disons, qui c'est M. Wallex Pierre et M. Emmanuel Stéphane Laurent. Donc, moi, je viens faire tout, petit missionnaire, qui va accompagner nous pendant tout le processus. Et donc, je fais place avec l'intervenant pour débuter la conférence. Merci. Merci tout le monde, bonjour. Et je profite de l'occasion pour remercier des gens qui font des déplacements, particulièrement nous qui Idriss, qui a filmé pour nous là. Et je vais faire une autorisation pour vous faire un mozart, pour moi qui assiste ça, avec tout le monde de tout horizon. Alors, je suis content pour me siéger. Son table en nouvelle fois dans le panel inagé. Je suis très content de constater que gain en motivation, en sensibilisation qu'a fait en inagé sur des questions qui ont un rapport à la culture, sur des questions qui ont un rapport avec le social. Je pense tout que ce type d'activité ça, il n'est pas fait par hasard. C'est moi senti là en influence déterminante avec catalyseur de professeur Wallex Pierre. Soit c'est de plus en plus l'entité université de l'État d'Haïti où tu as des groupes d'étudiants qui sensibilisent par rapport à la question de ça. Mais il y a des groupes d'étudiants qui sensibilisent, motivés par rapport à la question de ça. La faculté de droit, il y a des groupes d'étudiants qui sensibilisent, qui motivés avec la question de ça. La faculté de médecine, nous avons des étudiants qui sont sensibilisés, qui sont motivés par rapport à ces activités, la faculté des sciences. Donc, l'Ile-Alitant, pour anthropologues et sociologues, rentrer de plus en plus profondément dans l'enseignement universitaire pour type de rassemblement, type de mobilisation, fait plus souvent en dans l'université, l'État. Donc, on va oublier. Salut Soutchaksa, étudiant faculté de technologie qui est là, avec étudiant NDC qui est là. Je dis, mon défi, parce que là, Wallex se voyait, proposition de différentes thématiques pour moi, moi je voulais traiter mon sujet. Je dis, mon défi, traiter un sujet sensible et un sujet qui est en même temps fâcheux. L'aime dit un sujet sensible, c'est un risque que je prends en tant qu'intervenant pour me parler de ça avec un public haïtien. L'aime dit un sujet fâcheux, moi fais expérience déjà, deux ou trois fois déjà, pas grand pile intellectuel qui est trop content, ni trop aimé, affirmation ça, qui est un sujet maintenant. Le Vodou comme religion ou comme culture. Et ceci pour deux raisons. Première raison d'après moi, c'est première raison, qu'on a avancé, qu'on considère que dire que Vodou a pas seulement religion en Haïti, ils sont culture, donc ils sont mode de vie, sont démagogie intellectuelle. Vous entendez à propre oreille, et pas peur citer non, mais au Seigneur Février qui ont foi, leur radio, mais c'était très tard, aux environs de 10h, 11h. Je ne sais pas qui radio qui t'a dit ça pour boucherie. Comment on catégorie intellectuelle dans le pays a décidé que la culture haïtienne, c'est Vodou Ali en lui-même. Pour monsieur, c'est démagogie intellectuelle que ça a. Deuxième raison que on a avancé, et je pense que ces raisons fondamentales là, ça, c'est je pense que refus pour accepter que Vodou comme est. Pas seulement comme religion, mais plus comme religion, comme culture, les sorties,
l'appartenance religieuse, et notamment sans discrimination, sans régression protestante, que moun ki gen point de vue ça ordinairement soutenu. Défiant pas moins plus grand, parce que m'a parlé de ça matin avec professeur Walespierre, m'a ouais là aucun ouvrage, dans aucun livre, yo rassemblé argument yo on fait ça pour faire démonstration ça. Alors j'aime dire à Walex matin, c'est pas que ça pas existé du tout. Mais je trouvais que, ou sinon, peut-être c'est moi qui manque, mais je doute fort. Même beaucoup, j'aime tomber sur un livre qui chita sur un chapitre, qui a été analysé, libellé pour ta faire de lire un sujet de démonstration. Donc, moi, je vais être objectif, je dis, hein, rassembler arguments, rassembler citations, pour me transformer en sujet de discussion. Donc, encore une nouvelle fois, je dis, hein, ma propre sujet, et ma demande de me rentrer dans la salle, au profond du silence pour nous derrière, parce que vous confiez ce qu'a fait là, t'as pris. Mon nez, monsieur, et à sa confiance là, t'as pris. Sujet assez, le vaudou comme religion ou le vaudou comme culture. On commence par la première partie et sujet A. Le vaudou comme religion. C'est n'appelé un coup Lewis Ampidou Cloméus. Professeur Lewis Ampidou Cloméus, qui est sociologue, monsieur Gon Postdoc, monsieur Gon Livre qui sorti en 2016. Le vaudou comme mythe et comme construction savante. C'est avant le dernier livre que monsieur publié, parce que le dernier livre que monsieur publié, c'est Michel Roff Trouet et le vaudou. Monsieur montrait, pardon, je viens à notre merci, et le vaudou. Monsieur montrait que vaudois, pendant tout le 19e siècle, c'est un objet de discrimination. Et même gros intellectuels qui viennent dans le 19e siècle, qui fait partie de ça, l'école des théoriciens, avec des maisons de l'homme, Joseph Janvier, Antonin Firmin, Solon Menos et Hannibal Price, tout le monde qui formé par frère de l'institution chrétienne, FIC, parce que je vais oublier à partir de 1860, c'est frère de l'institution chrétienne. Je rappelle nous que Antonin Firmin fait en 1850, il mourut en 1911. Donc, monsieur fait partie de la génération qui formait par l'église catholique en Dapéan. Tout le monde a eu bien en commun que pas considéré créole comme langue, même je n'ai pas considéré vaudou comme religion. Je sais apprendre que Antonin Firmin fait partie de la ligue antique et anti-vaudouique qui était organisé par Mgr François Kersuzan en 1897, si j'ai bonne mémoire. Donc, Antonin Firmin, c'est la campagne, première campagne anti-vaudou. Donc, avec Lewis Cloméus et Ampidou Cloméus, nous savons que vaudou, c'était objet de discrimination littéraire pendant tout le 19e siècle, depuis description en 1797, par Médéluéli Moreau de Saint-Méry. Dans la description topographie physique civile, historique et politique de la partie française, je lis de ces domaines, jusqu'à pratiquement 1928 avec Price-Moss. Comment ont été qualifiés vos droits avant Price-Moss, depuis le 19e siècle là, jusqu'à Price-Moss et même après Price-Moss? C'est après des décrets, 5 septembre 1936, et l'ILESCO, la chapitre. Ils ont qualifié de superstition, ils ont qualifié de pratique de sorcellerie, ils ont qualifié de culte cannibale, c'est-à-dire son religion côté des gens qui mangent les gens, et ça c'est un bail qui est extraordinaire. Si vous avez une religion qui mange les gens, nous tellement anthropologues, nous tellement sociologues présents dans la cérémonie vaudou, nous avons bien côté de manger plus de 1 milliard de fois, ils ont pratiqué de magie dangereuse. D'ailleurs, quoi toujours en Haïti, équation vaudou égale magien, il a toujours été, l'entend en plein monde. Ils ont qualifié de religion démoniaque, de religion luciférienne, de religion satanique. Donc c'est tout ça qui gagne les qualificatifs abondés et surabondés, les appareils de vaudou. Alors, travail vaudou comme religion,
premier monde qui prend le fait, c'est Price Moss. Price Moss en 1928, nous avons un petit papier là, mais côté le fait. Price Moss en 1928, qui prend publier, pardon si je l'ai jusqu'à présent, ok. Qui prend publier un livre qui est Ainsi par la longue, essai d'ethnographie qui est publié en 1928. L'Oualan livre dans le chapitre 2, les croyances populaires, Price Moss va être l'émission pour la première fois dans l'histoire intellectuelle pays, même si il y a l'autre monde qui était fait avant lui, mais Chita fait. Par exemple, là, pour on est en cours, docteur Jean-Christophe d'Orsainville, Jean, j'ai pensé pour d'Orsainville dans Vaudou et Névose, Vaudou et Magie, il était qu'il était conseillé Vaudou comme religion. Mais Price Moss, vraiment, c'est le premier monde qui prend Chita son démonstration pour présenter vos droits comme religion. La fête, le chapitre 2, les croyances populaires, ainsi par la longue. Monsieur, qui ça le fait? Premièrement, il commence par étudier la définition cicéronienne de la religion. Vous connaissez une étymologie, une certaine ambiguë, qui dit que vos religion sont dans le latin, religare, qui veut dire relier, unir, et religere, qui veut dire respecter. Donc, religion, c'est ensemble de monde qui t'a lié, uni pour à pratiquer religion qui dévoué à une seule divinité, culte monothéiste ou plusieurs divinités, culte polythéiste. Mais Price Moss va montrer que sous-défini religion comme ça, son bagage qui pose problème parce qu'il y a un paquet de philosophies, un paquet de modes de vie qui ont dépassé des philosophies. Et c'est des modes de vie qui viennent déformer plus tard en religion. C'est par exemple le cas du bouddhisme, mais pour ne pas trop long, m'a obligé de camper là. Donc ça, M. Pral fait, M. Pral chita sous deux crânes qui, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, publiée en 1912, deux crânes qui pral proposer la définition la plus géniale et du sacré. Si vous me répétez François Duvet, le texte que lui écrit qui est pourquoi rester classique. Donc, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, le CM Doté en 1912 a dit que ça distingue, ça caractérise, ça définit en religion, c'est la différence que religion établie entre une catégorie de bagailles que vous considérez comme sacré avec une autre catégorie de bagailles que vous considérez comme profane. Et vous formulez dans l'église protestante, résumez ça très bien. Dehors pas gagné, c'est dehors amté. Donc, dehors, si on dit dehors, gagne en dedans. En dedans qui représente en dedans l'église, en dedans Jésus, en dedans pasteur et dérivé, et dehors qui représente le profane. Et Price Moss a dit que le vaudou est une religion, et je suis Price Moss, malheureusement, pas gagné les blancs devant, m'a essayé de citer de tête, parce que tous les adeptes croient à l'essence d'être spirituel, qui vivent quelque part dans l'univers, en étroit communion avec les êtres humains dont ils dominent l'activité. Ces êtres invisibles constituent un élève innombrable formé de Dieu, de les plus grands, d'entre propres types de papa ou grand-mère, et on doit à des hommages particuliers. Le vaudou est une religion parce que le culte dévolu à ces dieux réclame un corps sacerdotal hiérarchisé. Une société de fidèles, des temples, des hôtels, des cérémonies et en fait toute une tradition orale qui ne s'est pas parvenue à nous sans altération, mais grâce auquel se transmettent les parties essentielles de ce culte. Le vaudou est une religion parce que à travers le fatras des légendes et la corruption des fables, on peut démêler une théologie, un système de représentation grâce auquel nos ancêtres s'expriment primitivement les phénomènes naturels et qui existe de façon latente à la base des croyances anarchiques sur lesquelles repose le catholicisme hybride de nos religions populaires. Alors, nous disons au merci, nous sommes cette citation au par cœur, parce que si nous-mêmes, c'est grand pile chrétien, c'est Bible à l'eau, mais pas cœur, moi, c'est tiens, si Paul à l'eau, moi, si Price Moss, moi, débat par cœur, c'est limité qu'on est. Donc, vaudou comme religion, depuis Price Moss et même avant Price Moss, ce bail qui fait objet de unanimité entre sociologues, anthropologues et même chercheurs. Alfred Mott et Métro d'accord dans le vaudou haïtien, publié chez Gallimard,
Docteur Louis Maximilien est d'accord sur ça tout. Le vaudois haïtien Rigra d'Akonzo. Milo Rigo et Odette Médesson Rigo d'accord sur ça tout. La tradition de le vaudois haïtien, c'est un mystère, sa magie. Deïta d'accord sur ça tout dans la légende des lois. La Lionel Hubon d'accord sur ça tout dans Dieu dans le vaudois haïtien. Pasteur Jean-Fils Aimé d'accord sur ça tout dans différents livres écrits. Parmi lesquels vaudou je me souviens. Professeur Jean-Yves Blot d'accord sur ça tout. L'un document écrit d'abord en français qui est les cultures haïtiennes. Jean-José Descartes, l'un mémoire de Déréal, dynamique vaudou et droit de l'homme, d'accord sur ça et sous ça tout. Et différents sociologues et anthropologues qui d'accord sur ça, tellement pile que je ne peux pas citer tout. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, que vaudou c'est seulement religion? J'aime te battre comme objectif, parce que il y a des gens qui disent que vaudou n'est pas seulement religion, vaudou est une culture. Effectivement, vaudou en Haïti, je ne suis pas pour le pays, parce que je suis arabe qui vit dans un pays musulman, je suis grec qui vit dans l'Antiquité, je suis égyptien qui vit dans l'Antiquité, etc. Je suis un anthropologue haïtien qui vit dans une réalité haïtienne et qui a essayé de comprendre. Pour Haïti, vaudou n'est pas seulement religion, vaudou est plus que ça. Vaudou est plus qu'en religion, vaudou est son culture. Dès commencer par rassembler arguments qui permettent nous soutenir pour le vu ça. Parce que moi, dis nous, c'est bagaille qui va être problème. Premier argument nous avons remarqué, c'est que vaudou, c'est religion sans nous. L'homme dit religion sans nous, pas oublier que la colonie française de Saint-Domingue, la religion catholique, apostolique et romaine, c'était le support idéologique de la colonisation et de l'esclavage. Donc, par rapport à la religion, ça, pour me prendre Amboise et Dorino Gabriel qui ont compliqué la cérémonie du bois caïman et le sens du vote de l'identité religieuse et politique du peuple haïtien, religion catholique, apostolique et romaine, il était gagné en théologie de domination, de soumission. Par rapport à vos droits lui-même, qui prennent en théologie de révolte, de rébellion. Donc par rapport à ce système spirituel, religieux, colon blanc, qui a tout pisé et qui a mis esclaves à la fois, le esclavage physique et mental, nous sommes obligés d'un univers spirituel qui est pour cimenter nous et continuer à la révolte. Quelque part, par rapport à l'épopée biblique de Moïse, puisque Moïse, on a retrouvé les traces de ce monsieur nulle part, et pas pour le jamais été existé tout, et me crée sous ça. Même Jean, et me dit épopée, bien utilisé moi, pour moi qui, si je ne pas comprendre ça, me dit épopée, histoire pas de la légende. Même Jean, dans l'épopée biblique, là, et pour avoir besoin, au Moïse, qui était pour aller. Pour venir sembler ou mobiliser, faire sortir en soit sans esclavage qui n'a pas jamais existé en Égypte, soi-disant parce qu'il n'a pas jamais existé. Même j'ai en tout, nous avons besoin, après on marque en dalle, nous avons besoin de beaucoup de monde qui pouvait organiser une cérémonie de bois caïman ou de bois caïmam, selon certaines versions, qui pour sortir nous dans sa nuit. Donc, premier bagage, c'est que vos doigts, premier argument, vos doigts comme culture, c'est religion sans nous. Deuxièmement, vaudou c'est religion historiquement qui bat nous liberté. Ça le clé sur ça. Docteur Jean Price-Moss, dans la société haïtienne d'histoire et de géographie, c'est le premier intellectuel qui crampe et qui dit en pile un bagage qui fait un pile intellectuel mal et qui continue à faire certains qui considèrent comme intellectuels, de faux intellectuels, des intellectuels aliénés, aliénés, mal. Il dit sans vaudou à Prague 1804. Ça, c'est un argument extrêmement fort. Parce que, selon Gabriel Debien, 21 à 22 ethnies, ces domaines, il faut que le témoin en commun qui pour permettre d'organiser la bataille-là. Et il faut que le ait un univers spirituel qui puisse manquer. Donc, en commun, c'était créole et religieuse et spiritualité qui était cimentée à ces vaudous. Troisième argument, vaudou, c'est religion qui est plus populaire en Haïti. Alors, je fais référence en pile avec le professeur Sal, la faculté de technologie, Lewis Comius Ampidou, qui a fait un travail pour IHSI,
Institut haïtien de statistique et d'informatique. Lorsqu'on regarde dans les données IHS, M. T. fait travail là, l'on arrive pour être vos droits 0%. Ça, c'est là qui était une curiosité un petit peu. Et bien, mais vos droits 0%. Et c'est très tard pendant ce cours avec M. M. a appris que les mêmes vos droits 0% pour une raison qui est très simple. Il pas, ou pas jamais déterminer dans les moindres détails qui leur ont catholique sont francs catholiques. Parce que, plus fort catholique, pour me dire, tout catholique, c'est vaudouisant. Et protestants qui le plus souvent présentés comme les amis les plus implacables du vaudou, c'est eux-mêmes qui pratiquent les vaudois plus raides en bachal. Et j'ai dit que ton populaire a dit, Haïti son pays à 90%. Et catholiques, 10% protestants et 100% vaudouisants. C'est ça par la vie. Finalement, avant-dernier argument, vaudois c'est socle de l'identité haïtienne. C'est-à-dire que il y a deux arguments au niveau. C'est premièrement, dès que vous arrivez à l'étranger, vous avez besoin de prendre qui tendance qui appartenance religieuse, l'un de tout étranger. Et immédiatement, vous commencez à partir, mettre nous dehors Haïti, nous nous compte de ça. De quoi haïtien, immédiatement, ils met deux maps fabriques sous dos. J'ai besoin d'un hyblodine. Ou parler créole, ou forcément vaudouisant. Blanc n'a pas besoin de rien encore à quoi. De quoi c'est haïtien, il est certain de deux bagailles. Ou parler créole, et ou c'est vaudouisant. Si vous voulez faire le quoi chrétien, ou c'est catholique, ou protestant, tous les dérivés, baptiste, cotiste, adventiste. Témoin zéro, va bas qui gado. Mais dans tête pas produisoye. Et s'il pas, c'est pas marché sous, s'il pas marché sous 13, malheureusement là nous pile 14, li vend dans sobob avant. Et par une dimension en dans la culture haïtienne qui pas traversé par vos droits. Que c'est histoire nous, que c'est littérature nous, que c'est oralité nous, que c'est folklore nous, que c'est mythologie nous, que c'est magie nous, c'est pas parler, médecine traditionnelle nous, tout traversé par vos droits. Et mon professeur qui pas fait pour ethnologie pour des raisons que je vais montrer là, télé, Dengele Matsoua. Dengele Matsoua avance un argument que je remets en pile. Dengele Djou, ce n'est pas pour rien que Haïtien en français écrit un H. Lorsqu'on a un H, il y a quatre parties là, il y a quatre branches. Parce que tout Haïtien, natif natal, il faut bien préciser. Parce que si c'est petit pour Haïtien, un Haïtien avec un blanc ou un blanche, il y a un autre bagage qui a produit la donne comme phénomène. Tout Haïtien natif natal, il y a quatre racines. Il y a quatre la cour sorti la donne. Que le vle, que le pavle, natif natal, il a sorti dans la cour, papa, papa, il a sorti dans la cour, papa, maman. Il a sorti dans la cour, maman, maman. Il a sorti dans la cour, maman, papa. Mais nous défions comme Haïtien, natif natal, à chercher dans 4 la poussa aussi, nous 4 la poussa aussi au passé vie. Journellement, nous arrivons à montrer comme haïtiens, natif natal, nous sommes dans 4 la cour. Et la poussa au passé vie, moi comme autobloc, nous n'avons pas besoin de faire travail encore. Donc, quand un haïtien voulait que, un haïtien pas voulait, racine Nicole Lambrickli, marié au départ avec vous trois. Et argument, qui est bien important, j'ai laissé le meilleur. Pour la verse argument que je l'argument massu. Vaudouisant eux-mêmes, communauté vaudouisant en Haïti, qui c'est partie de la population haïtienne qui est plus importante. Parce qu'en sociologie, on ne définit pas un peuple à partir du milieu de l'élite, on définit en fonction du milieu de la masse. Ça sont gros leçons que m'apprennent de gens qui sont dans ces villes. Mounsa ou qui a pratiqué vaudou. Et qui c'est eux-mêmes qui bien important de déterminer Haïti socioculturellement. Parce que Haïti, ce n'est pas le pays dedans. C'est le pays du dehors. Pour me prendre Gérard Badel et Gérard Barthelmy, ils ont défini vos droits comme culture. Ils ont défini vos droits comme mode de vie. Donc qui doit eux-mêmes, c'est Haïtien, c'est intellectuel, c'est pété, va du pied pour une majorité population en pays défini. On pratique comme culture et puis même parce qu'on est folie intellectuelle. On voulait faire blanc, plaisir, on voulait sembler à blanc, on voulait s'en sous-soi à blanc, et pour décider que ça, c'est pas ça. Et si deux positions, ça va les renforcer par plusieurs mondes.
Premièrement, on a un professeur Jean-Yves Blot qui est dans le support de Koul et dans la culture haïtienne, dans la page 14, et je comprends et page à Pâques, il y a deux façons pour définir vos droits. Au sens strict, vos droits sont religieux, c'est-à-dire en dimension de la culture haïtienne, et au sens large, vos droits, c'est la culture haïtienne lui-même. Ça est le professeur Jean-Yves Blot. J'ai reçu des cartes dans le dynamique du Vaudou et droit de l'homme qui est en ligne. Il dit que la page 19, il dit si une culture est avant tout une vision du monde, plus qu'une religion, le vaudou est une culture. C'est ça que le docteur Jean-Rosier Descartes dit. Et la page 20, le docteur Jean-Rosier Descartes dit, élément clé de la culture haïtienne, le vaudou est le ciment de la mentalité haïtienne. Le roi Ambroise Dorino Gabriel, qui est même son prêtre jésuite, qui écrit ce livre ça, la cérémonie du bois caïman et le sens du vaudou dans les luttes identitaires religieuses et politiques du peuple haïtien, l'Oualan livre la page 36. Monsieur, il y a deux façons de définir vaudou. Il y a deux catégories de vaudou en Haïti. Des vaudou en religieux, c'est-à-dire qui ont en termes de pratique de culte, et des vaudou en culturel là, qui c'est tout haïtien d'une manière générale. Et il y a un texte qui est encore plus intéressant qui est en ligne, que nous avons tapé dans le livre sur Google. Le texte, ça, c'est pourquoi les conflits de religion en Haïti. C'est Paul Sano et il est cité par Dr. Jean-Richard Ebéard. Nous avons un document ça, qui sait que, et Mounsaro Tsou, je trouve qu'en tant que Haïtiens, nous devons tous comprendre que nous sommes des vaudouisants. Malgré nous, c'est un moment meilleur. Puisque, comme phénomène social, le vaudou se manifeste dans nos contes de fées, nos histoires, notre danse, notre musique, notre vision du monde, notre vocabulaire, nos peurs, nos réactions, nos instincts et nos mythes. Nous pouvons ne pas le pratiquer, mais il est tout autour de nous et bon nombre de notre famille. Et de nos amis sont de grands pratiquants. Et la plupart sont des gens honnêtes et aimables. Donc, en fonction de tout samedi, hein, en conclusion, parce que faut me finir, m'avait dépassé 30 minutes, nous sommes 27 minutes. Vaudou, pas seulement religion liée en Haïti. Vaudou, il est plus que ça. Vaudou, c'est en culture. C'est sans hésitation que m'a dit que l'équation vaudou égale à culture haïtienne. Non? Son équation qui est fondée. Et Haïti, Jean, vaudou, ils ont un métier, eux-mêmes, puisque c'est avec eux, ma travaille, c'est eux, ma étudié. Haïti, son pays, vaudou. Si nous disons Haïti, son pays, vaudou, ça veut dire à des degrés divers, que nous voulons, que nous ne voulons pas, que nous voulons sauter, côté, que nous ne voulons pas sauter, côté, que nous contents, que nous pas contents. Que nous gardons d'accord, que nous ne sommes pas d'accord, mais ça c'est pas gars qui garde nous. Nous tous, c'est vaudouisant nous. Et tout en tant que nous ne pas accepter ça, nous fait carrer dans ça nous. Parce que sans vaudou, moi, je veux dire que pas bien haïtien. Jour, nous accepter ça, nous reconnaître que c'est ça nous. Tout même certain que plus fort problème que nous avons confronté, la prison. Parce que pour moi, au fond, tout ça n'y est comme problème social, politique et économique. Il y a avant tout, et ça me tombe en forme d'ethnologiste, c'est des problèmes culturels. Problèmes culturels comme phénomène, il y a au moins et puis phénomène, qui sont problèmes qui de nature sociale. Problèmes culturels comme phénomène, il y a au moins et puis phénomène, qui sont problèmes politiques là. Problèmes culturels comme phénomène, il y a au moins et puis phénomène. Qui c'est le problème économique là. Donc, nous avons tout problème social, politique, économique qui gagne dans le pays. Mais si nous avons le moteur problème là, qui c'est le problème culturel là, nous faisons carré dans des rives. Et pour finir, Jean-Docteur Daniel Mathieu a dit notre foi, un peuple qui ne connaît pas son identité est condamné à la cryogénisation et l'hibernation. En d'autres termes, un peuple qui n'a pas son identité, son peuple qui zombifie. Donc, sous ça, ma promesse, mon modératrice, Mikoua, pour qu'elle passe pour recevoir l'expert.
Merci, c'est ça que je veux dire pour nous.